Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot sur Equinox Télévision. Ce soir, nous parlons de la rentrée des classes réussies pour les Lions d'Entrée du Cameroun qui ont battu dimanche en amical le Koweït 3 buts à 1, un doublé de Christian Bassogog et l'ouverture du score signé Vincent Aboubakar. Alexandre Belinga qui a choisi de faire jouer ce match, de faire jouer ses trois gardiens de but qu'il a donc appelé pour cette rencontre. André Onana qui a démarré la rencontre, ensuite Fabrice Ondoa et puis Idriss Carlos qui a mené le doyen de ces trois gardiens de but. On fait le point, analyse et décryptage ce soir sur le plateau de 100% foot avec deux techniciens de football qui nous accompagnent. Avec également, nous parlerons des résultats de la 10e journée du championnat Elite One, l'Union sportive de Douala qui renoue avec la victoire. Et puis l'Aigle Royal de la Mina Shoto qui a signé sa toute première victoire de cette saison. C'est plutôt bien heureux pour Biromi Crio. Il a fallu trois journées pour que l'ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua arrive sur le banc de touche de l'Aigle Royal de la Ménois depuis la 8e journée de ce championnat Elite One. Remporte donc son premier match avec l'Aigle Royal de la Ménois en Elite Two. Le point, le classico avec le canon de Yaoundé et le tonnerre Kala Club de Yaoundé qui se sont affrontés dimanche soir au stade militaire de Yaoundé devant un grand public, un public des grands jours. Le canon en a profité pour s'imposer 2 buts à 1 et la Panthère Sportive d'Yaoundé, malgré la crise, a battu Dynamo de Douala dans le cadre de la 6e journée du championnat Elite Two. 4 buts contre 1. Et pourquoi ne pas revenir ce soir sur la réponse du berger à la bergère, Samuel Etofis, qui a profité de la victoire des Lions d'Entrée face au Koweït pour répondre à Hugo Bros. Samuel Etofis se réjouit de la victoire des Lions d'Entrée du Cameroun et l'affirme que heureusement ils n'ont pas été olé olé, pour reprendre Hugo Bros, qui indiquait que eh bien la tanière à nouveau remplie des amis de Samuel Etofis. Anissé Vargafoui, bonsoir. Bonsoir Sylvain Sipolit. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Je voudrais personnellement adresser un bonsoir au chef de division des activités sportives et associatives de l'université de Douala, monsieur Membi Jonas, ainsi que toute la grande équipe qui l'accompagne pour la préparation des Jeux universitaires Maroua 2018. Et on rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe de football de l'université de Douala, mais vous êtes surtout champion du Cameroun avec Eding Sport de la Laiké. Ça va avec Eding? Depuis le début de la saison, on ne vous a pas vu sur le banc de ce club. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis le début de la saison, on ne m'a pas vu du côté d'Eding. Il y a eu quelques malentendus entre l'administration, l'équipe et moi. C'est des choses que je tiens à préserver parce que ça concerne le vestiaire de l'équipe. Le vestiaire de l'équipe doit rester sacré et ces choses-là ont poussé à ce que je ne me présente pas pour diriger cette équipe pour la compétition africaine. Voilà pourquoi, rendu à ce jour, les relations sont un peu tendues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Eding Sport de la Ligue, pour l'instant, en 10 journées de championnat, ne tient pas son titre de champion du Cameroun. Clément Zico, bonsoir. Bonsoir, Hippolyte. Bonsoir aux champions Merci. sortants. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais, avec ta permission, dire bonsoir à Monsieur Atouba Mintia François, un ami de longue date. Surtout lui dire que nous avons accompagné à sa dernière demeure Tawamba Virginie, qui est notre camarade de classe, malheureusement, qui s'en est allé, et qui est Madame Mangakala. Décidément, vous avez transformé le plateau 100% foot en plateau dédicace. On vous le concède aussi ce soir, Clément Zeko. Vous êtes consultant sur Equinox Télévision. Vous avez regardé ce match qui était une rentrée de classe pour les Lions d'Entrée du Cameroun après leur élimination pour la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Rentrée de classe réussie ou manquée, ou il y a encore des choses à perfectionner? Rentrée de classe réussie. Lorsqu'on regarde le processus dans lequel on s'est un peu inscrit, on peut dire que rentrée de classe réussie. Maintenant, cette rentrée a été beaucoup plus un match d'observation pour le staff, malheureusement, qu'une autre forme, simplement parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec les gardiens, c'est-à-dire chacun a eu un tiers-temps, ça veut dire qu'on veut voir qui a fait quoi, en quelles circonstances. Ensuite, quand on voit les nouvelles figures qui sont apparues et qui ont donné à voir qu'il y a de l'espoir en eux, je pense, je veux dire, je pense que c'est une rentrée réussie. Le score même, 3 buts à 1, qui s'est dessiné dès les 20 premières minutes, même si après les Lions ont un peu dormi sur leur laurier, parce que ne considérant plus hautement l'adversaire, ils ont manqué un peu de fair play. Mais il faut aussi dire qu'on a constaté que sur le plan défensif, on a quelques soucis à se faire et il faudrait très rapidement corriger. Malheureusement, est-ce que le sélectionneur en place
doit pouvoir continuer. Parce que quand on regarde ce qu'il a fait, il s'est inscrit dans un processus. De continuité. Oui. Mais je propose à Clément de plonger dans une analyse plus profonde tout à l'heure, le temps de revoir les images de ce match qui s'est disputé donc dimanche au Koweït, le Cameroun, qui s'est imposé 3-1 devant cette équipe koweïtienne à la 11e minute. C'est d'abord Vincent Aboubakar dans une belle phase de jeu qui bat le portier koweïtien et ouvre le score. 1-0 pour le Cameroun. Vincent Aboubakar, l'artificier de cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun pour l'instant. Après, Christian Bassaoui également à la 16e minute de jeu, bien servi par Aboubakar. Vincent, on le verra d'ailleurs tout à l'heure, ouvre son pied gauche et le portier koweïtien n'a pas beaucoup de chance. Il est battu à son tour. 2-0 à ce moment-là. Mais d'abord, Clément Sikobi, voilà cette action-là avec Christian Bassaoui qui sont plusieurs Lions Indomptables dans le choix des réparations. Très peu de koweïtiens, une belle phase de jeu et puis bon. Christian Bassaoui reçoit cette talonnade de Vincent Aboubakar, ouvre son pied gauche et le portier koweïtien, il est battu à ce moment. C'est carrément une frappe imparable. Oui, c'est un attaque placée. Et puis on voit que le mouvement est collectif parce que parti de derrière et puis on réussit à mener le ballon vers l'avant en se passant d'un pied à l'autre. On voit donc que le finisseur qui est Vincent Aboubakar n'est pas au départ de l'action. C'est plutôt un de ses partenaires qui réussit à lui donner cette belle passe. Donc c'est un travail de collectif. Et si on voulait dire Christian Bassaoui. Christian Bassaoui, je veux dire. C'est un travail de collectif, un ensemble de jeux en jeu, en état placé, comme j'ai dit. Ça laisse voir quand même que le collectif, le groupe est en train de vivre d'une certaine manière. Et peut-être on retrouve aussi cette cohésion, cette alchimie entre deux attaquants, Vincent Aboubakar et Christian Bassaoui. Oui, chaque fois que vous avez une équipe où les attaquants se trouvent, il faut comprendre que l'équipe est en bonne forme. Mais maintenant, quand les attaquants ne se trouvent pas et qu'ils sont parfois trouvés par leur milieu de terrain, ils peuvent être mis en orbite par le milieu de terrain. Mais simplement, lorsque deux attaquants se trouvent, ça veut dire qu'il y a de la complicité. Et sur cette complicité, on peut bâtir un certain nombre de choses. Les Lions d'Ontario Cameroun ne vont pas s'arrêter là. Christian Bassaoui, oui, lui, il signe un doublé dans ce match. Christian Bassaoui qui va aller pratiquement dans un slalom. Il se joue seul de la défense koweïtienne. On va voir cette action. Voilà, l'action est partie. Christian Bassaoui qui est parti pratiquement du milieu de terrain. Il conserve le ballon et puis il frappe. Au niveau du premier poteau, le premier ou le deuxième poteau, Anissé Bargafoui, le gardien du Koweït, une fois de plus, est battu. C'est comme ça qu'on aime bien le voir, Christian Bassaoui. Oui, tout à fait. Vous me donnez l'occasion là de revenir déjà sur ce que Clément disait, parce que lorsque vous regardez la composition de cette équipe, elle a véritablement une vocation très offensive. Et ça a été une véritable réponse de Belling Alexandre, qui a un peu fait taire les critiques qui pensaient qu'à un moment donné, un Camerounais ne pouvait pas présider au destiné de cette équipe. Parce que quand vous regardez un peu la configuration de l'attaque, c'est vrai qu'on parlait de Christian Bassaoui, qui était milieu de couloir, et de l'autre côté, il y avait Njie Clinton, et au sommet de l'attaque, il y avait Aboubakar Vincent. Et derrière, n'est-ce pas, cette ligne offensive, il y avait également deux milieux du terrain pratiquement à vocation offensive. Le capitaine Mokanjo, Benjamin Mokanjo et Leandre Tawamba. Ça a été, n'est-ce pas, une réussite de Belinga. Leandre Tawamba qui honorait sa première sélection. Sa première sélection, notamment parce que, bon, ça avait été contre le Koweït. Si ça avait été contre une autre équipe, il aurait peut-être opté pour un choix un peu plus défensif. Donc je crois que là, ces choix-là ont payé et on ne peut que lui dire bravo. Et Hugo Broos, je vais dire Alexandre Belinga, Hugo Broos, parce qu'on parlera de lui tout à l'heure. Alexandre Belinga qui a choisi de faire jouer ses trois gardiens de but qu'il a convoqués pour cette rencontre. On va voir qu'après le troisième but, inscrit par Christian Bassaoui, les Koweïtiens sont un peu réveillés. Ils ont pu réduire le score parce que finalement, ça s'achève sur un score de 3-1. Et vous me direz tout à l'heure, d'abord, il y a Yaya Banana qui n'arrive pas à contrer l'attaquant koweïtien. Et puis Fabrice Ondoa qui est aussi un peu court sur ce ballon. Mauvaise lecture, Clément Zeko, de la trajectoire de la balle. Non, d'abord, l'intervention de Yabana, parce qu'il est allé un peu mollement et il a été fébrile. Ça fait que lorsque l'attaquant met un peu de son corps, il perd son équilibre. Et ce joueur a la lucidité de bien ouvrir son pied et d'ajuster le gardien qui tente d'anticiper. Malheureusement, la passe de l'intérieur est tellement bien ajustée que ça ne peut aboutir que sur son attaquant. Disons que c'est une faute défensive et c'est de ça que nous parlions tout à l'heure pour dire que malgré le standard un peu inférieur du Koweït,
poète. On a quand même vu que par moments, défensivement, il y avait quelques soucis à se faire. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il pourra corriger. Maintenant, Alexandre Bellinga commence le match avec André Onana dans les buts. Ensuite, au bout d'une trentaine de minutes, Fabrice Onoa retrouve la cage dont il a l'habitude. Et puis, vers la seconde période, c'est Idriss Carlos Kameni, le doyen, qui, à nouveau, met les gants et retrouve lui aussi la cage des lions d'antan du Cameroun. Comment comprendre ce choix? Vous êtes entraîneur de football. Pourquoi Alexandre Bellinga? C'était pour brouiller un peu les pistes, pour ne pas peut-être démontrer, faire voir sa préférence pour tel ou tel autre gardien de but, même s'il est clair que dans un match ordinaire de compétition, c'est un gardien de but, il allait faire un choix précis. Si vous vous souvenez très bien de la conférence de presse de Bellinga, il avait justement évoqué ce problème de gardien et il avait déjà commencé par dire qu'il savait comment est-ce qu'il allait gérer les trois gardiens. Lorsque vous vous souvenez dans quelles circonstances Onana est parti de cette sélection, ainsi que Idriss Carlos Kameni. C'est vrai que l'entraîneur sélectionneur qui est resté a donné toute sa confiance à Fabrice Ondoa, qui lui a retransmis ça avec notamment la Coupe d'Afrique remportée. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas nier, c'est-à-dire que le fait que Fabrice Ondoa ne soit pas titulaire dans son équipe lui est un peu préjudiciable, contrairement à ceux qui ont un peu plus d'activité, de temps de jeu dans leur équipe. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, tout le monde peut bien comprendre qu'aujourd'hui, s'il s'agissait d'un véritable match, Bellinga allait peut-être opter pour un choix, quitte à ce que celui-là garde notre cage inviolée. Mais maintenant, c'était un match où il y avait des retours et il était important de faire constater à tout un chacun que non, en revenant, il aurait également sa partition à jouer. Je crois que ça a été une fois de plus géré de main de maître par Alexandre Bellinga. Et Alexandre Bellinga, justement, en conférence de presse, lorsqu'il présentait la liste des 23 joueurs qu'il a convoqués pour cette rencontre, avait parlé justement de cette rivalité sportive qu'il a souvent eu entre Fabrice Ondoa et son cousin André Onana. Et il avait indiqué qu'il allait prendre des mesures pour pouvoir gérer ça. Là aussi, peut-être en faisant ses choix de faire jouer chaque gardien une trentaine de minutes, ça répond aussi peut-être à cette préoccupation. Oui, c'est comme s'il remettait toutes les cartes. Il remettait toutes les cartes, il a donné un tiers temps à chacun. Il remettait toutes les cartes pour donner à chacun la possibilité de donner du meilleur de soi. Pour que s'il est question demain de faire un choix, que le choix soit fait sur la base de la production qui aurait été faite au préalable. Et je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs que dans Tam, je vous ai dit que lorsqu'on regarde l'activité menée par le coach Bellinga, on a l'impression que lui, il s'inscrit dans un processus. Mais maintenant, est-ce qu'on va lui donner la possibilité de continuer ce processus? Parce que les bases de ce processus, à mon sens, sont bien posées. Maintenant, il faut pouvoir donner la possibilité qu'il puisse continuer. Parce que si vous avez l'impression qu'il a joué ce match dans l'esprit ou alors comme un entraîneur qui a envie de continuer, qui prépare une équipe. La manière avec laquelle il a géré. C'est ce que je dis. C'est un processus. Il est au stade 1 de son processus qui est observation. Parce que quand je vais finir d'observer, je vais prendre les notes. Et maintenant, je vais attribuer les points. Parce que la compétence du joueur appartient à l'entraîneur. C'est lui qui dit, tu es compétent pour continuer avec moi, que tu ne continuerais pas. Donc, au stade 1, il a fait l'observation. Et en observant, il a donné un temps à chacun, 30 minutes. Et dans les 30 minutes, chacun a donné la production qu'il aura pu donner. Mais maintenant, il lui revient, lui, Bellinga, d'attribuer des points par rapport à la prestation. Et maintenant, passer au stade 2. Le stade 2 qui va permettre qu'il fasse des choix et qu'il donne des confiances. Parce que, n'oublions pas, je parle devant Anissé qui est féru dans la dispute. À ce poste-là, il faut faire des choix et mettre en confiance pour pouvoir continuer. Donc, il est en train de chercher à faire un choix. Et maintenant, je crois qu'il est à même, au sorti de ce match, de faire un choix. Et lorsqu'il aura fait ce choix, il pourra aller mettre. En un match, c'est possible? Oui. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est le haut niveau. On n'a pas besoin. C'est le haut niveau. Si vous lui donnez à continuer avec cette équipe, il saura exactement avec qui il va continuer. Et chacun comprendra qu'effectivement, il a fait une observation, il a fait ses choix. Et maintenant, il faut les mettre en confiance. Parce qu'après avoir mis en confiance, il va pouvoir bâtir le groupe sur un certain nombre de choses. Anissé Barafou, et pourtant Bellinga lui-même n'est pas dans l'esprit de la continuité. Il a indiqué en conférence de presse
Parce que justement, la balle n'est pas dans son camp. Il y a, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge du recrutement d'un nouvel entraîneur Il a parlé sélectionneur pour l'équipe de nationale. ses aspirations Donc, personnelles qu'il oui, souhaite justement, accomplir. parce que ayant déjà assuré l'intérim de ce poste-là, je crois, à un certain moment, revenir encore assurer l'intérim une deuxième fois, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, où le problème se pose. Hein? On aurait bien pu lui confier, n'est-ce pas, les rênes de cette équipe-là à quelques mois, 12 ou 13 mois, ou 13 mois de cette échéance capitale, la Coupe d'Afrique, donc qu'il serait maintenant en train de rebâtir cette équipe. Et je crois justement que en optant pour ces choix, Belinga a justement voulu faire comprendre aux uns et aux autres que l'équipe nationale n'est l'apanage de personne. De personne. À partir du moment où vous donnez le rendement qu'il attend de vous, il sera, n'est-ce pas, prêt à vous aligner. Et vous avez vu les nouvelles recrues qu'il y a eu. Notamment, je parlais de Il y Leandre avait Tawamba Tawamba, tout à l'heure. Je parlais du jeune gars Gars Fabrice, au Fabrice. poste de ces deux jeunes qui lui ont donné pratiquement satisfaction. Bon. Est-ce que Belinga va continuer? Est-ce qu'il ne va pas continuer? Bon, ça serait également à vous, journalistes, de voir si le travail a été bien fait. Comment est-ce qu'il pourrait être récompensé? Après, sera Alexandre Bellinga de faire les Surtout, choix, Clément. oui, surtout que la philosophie du jeu appartient à l'entraîneur, au sélectionneur. C'est lui qui imprime cette philosophie et les joueurs mettent en pratique. Mais malheureusement, s'il doit arrêter aujourd'hui, il aura mis le stade 1 et ne sera plus capable de mettre le stade 2. Or, pour arriver à la CAN, normalement, il faut stade 2, stade 3, stade 4 pour finalement peaufiner la tactique qu'il faut. Et je suis un peu désolé hein, de voir que cette activité bien pensée, dans nous, les entraîneurs, lorsque nous avons regardé, tous les entraîneurs vous diront que Belinga est au stade 1, avec cette équipe. Et il a bien posé des Les jalons jalons. du stade Tout à fait. 1. Tout à fait. Maintenant, pourra-t-il avoir l'occasion de poser le stade 2? C'est ça le problème. Voilà tout le problème. Voilà véritablement tout le problème. Or, du train dont ça va, il faut lui donner la possibilité. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas. Mais à lire ce que j'ai vu comme activité, comme gestion Développement. globale du groupe, je pense qu'effectivement, il faut lui donner la possibilité de mettre les autres stades. Et si ce n'est pas le cas, celui qui viendra après lui Va doit recommencer. Il recommencer. va recommencer parce que lui aussi, il va mettre son stade 1. En fonction de la philosophie du jeu, Du en jeu. fonction de l'animation qu'il voudrait, en fonction du type de machin, et ça va, nous, on va perdre en temps. On va perdre en temps, grossièrement. Comme nous perdons en temps dans d'autres domaines, on va aussi perdre en temps dans cette Maintenant, profession. c'est que la prochaine échéance qui attend cette équipe des Lions d'Entrée du Cameroun, c'est la CAN qui organise justement leur pays, puisque le Cameroun, comme son adversaire de dimanche, le Koweït, n'ira pas en phase finale de la Coupe du Monde en Russie. Anicet Bargafoué, il y a près d'une trizaine de mois, on va dire un peu plus de près d'un an et demi maintenant, avant le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le Cameroun justement qui va donner le coup d'envoi en tant que pays hôte qui jouera donc le match d'ouverture. Vous êtes entraîneur de football. Comment préparer un tel parcours, préparer une équipe en un an et demi pour être prête le jour J? Il est vrai que nous n'allons pas participer à la Coupe du Monde de Russie 2018 ainsi qu'aux éliminatoires de cette Coupe d'Afrique que nous allons organiser ici chez Bien nous sûr le qu'on jour participe, J. bien sûr que le Cameroun participe aux Ici éliminatoires. aujourd'hui. Le Donc, Cameroun participe aux participe, éliminatoires. mais je veux dire que pas avec l'objectif d'être qualifié. Étant déjà qualifié, c'est ce Mais que j'ai l'objectif de voulu. se préparer. Donc voilà pourquoi nous devons prendre ces matchs comme des matchs véritablement de rodage et de préparation. La période FIFA qui est en train de s'écouler là devait nous permettre de livrer véritablement deux matchs. Pourquoi nous n'avons livré qu'un seul? On aurait bien pu livrer deux matchs au même titre que toutes les autres Parce que le nations. Cameroun a été sollicité que pour un match et que Mais depuis des années, le Cameroun en le sollicite. Cameroun Voilà, peut aussi solliciter. voilà autant donc de préalables. Et justement, comme le disait Clément, ça veut dire que aussitôt le nouveau sélectionneur sera connu, il viendra, n'est-ce pas, avec un programme et ce programme-là sera présenté au vu et au su de tous. C'est un programme qui va comporter des matchs de préparation, des périodes de stage, des regroupements. Et pour voir comment est-ce qu'on peut faire participer, comme lui-même l'a dit, c'est une compétition que nous devons gagner. Et
l'a gagné avec des joueurs non seulement à l'étranger, mais également les joueurs du terroir. Ça fera, n'est-ce pas, le bonheur de tout un pays. Et avant la CAN, quel que soit le sélectionneur, il aura encore la possibilité de faire tourner, ça veut dire découvrir de nouveaux joueurs, convoquer les uns les autres, que ce soit sur place au Cameroun ou ceux qui sont à l'étranger. En un an et demi, c'est possible d'évaluer tout le monde et d'arrêter un groupe, de mettre sur pied un groupe pour la phase finale de cette compétition. Ce sera très difficile. Ce sera difficile parce que quand un nouveau sélectionneur va arriver, lui-même, il doit prendre le temps pour connaître le groupe. Déjà connaître la mentalité et la fonctionnalité à l'intérieur. Pourtant, Billing a l'avantage de connaître. Il a l'avantage de connaître le groupe parce qu'il a le groupe depuis. Et maintenant, il sait sur quel point nous avons été défaillants. Sur quel point il faut s'améliorer. Et maintenant, connaissant ça, ça va nous faire un gain de temps considérable. Ce qui, à mon sens, était à faire, c'était de renforcer le staff autour de Bilinga et de lui donner carte blanche pour qu'il mène cette équipe à la Coupe d'Afrique. Simplement pourquoi? Parce que le nouvel sélectionneur qui viendra doit d'abord apprendre à connaître, doit construire le groupe, doit lui donner une fonctionnalité avant d'aller à la compétition. Et lorsque nous savons que le crédit de temps est très infime, est très petit, on a peur qu'à un moment donné, qu'on se fourvoie. Et nous savons que tous... Que le Cameroun ne soit pas prêt. Le Cameroun risque de n'être pas être prêt si on ne s'y prend pas à temps. Et c'est pour cette raison que nous continuons à marteler ici qu'il est utile et important de donner cette solution à quelqu'un qui est à l'intérieur pour pouvoir porter le projet. Parce que connaissant tous les contours de l'intérieur, il peut déjà savoir avec qui et comment pouvoir. Et puis lorsque j'écoute le discours de Bellinga, ce n'est pas parce que j'ai eu à travailler autour de lui que je fais son apologie. C'est justement parce que j'ai travaillé avec lui que je connais le type de personne qui est suffisamment humble, suffisamment travailleur et juste. Et qui peut avoir la même mise. Oui, il a la même mise. Il n'y a aucun joueur au Cameroun qui peut tenir tête à Bellinga. Je dis bien aucun. S'il n'y a aucun président au Cameroun qui peut tenir tête à Bellinga, je ne suis pas sûr qu'il y ait un joueur qui soit capable de tenir tête. Ce n'est pas parce qu'il est pondéré, il est calme, qu'on a l'impression que... Non, c'est juste qu'il sait exactement ce qu'il faut faire. Quand on prend par exemple le latéral gauche, Nga Fabrice, qui a été dans les astres, avec qui nous étions à Konengi pour la Coupe d'Afrique, en Guinée équatoriale, ce n'est pas aujourd'hui qu'il connaît. Donc, en apportant la solution de Nga Fabrice, c'est pour répondre au problème de Oyongo qui n'est pas là depuis un moment. Et tout le monde est d'accord que la prestation et le rendu de Nga Fabrice était de nature à nous aider. On a même vu que Nga Fabrice apportait une solution offensive de bonne facture. Et même que les passes, en des moments un peu compliqués, parce que j'ai vu deux ou trois passes adressées dans l'intérieur du milieu de terrain. Alors qu'une autre personne, en cette circonstance, serait obligée de recommencer sur le gardien. Mais lui, par sa qualité et sa dextérité, il a réussi à donner ses deux passes dans le milieu de terrain. C'est pour dire quoi? Si on donne cette équipe à quelqu'un qui connaît l'équipe de l'intérieur, pour connaître ses problèmes, il peut apporter les solutions. Et comme Bellinga a longtemps travaillé avec les joueurs à l'intérieur, et comme depuis pratiquement 3 ans, il est dans cette équipe, il est à pratiquement tous les voyages de prospection et de supervision. Je pense qu'effectivement, il est bien placé pour pouvoir porter ce projet. Et vous avez parlé tout à l'heure de la mainmise qu'il peut avoir sur ce groupe. Eh bien, son prédécesseur ne le pense pas, Hugo Bros, d'ailleurs, qui n'a pas manqué de faire des critiques sur la sélection d'Alexandre Bellinga, indiquant qu'il s'agissait simplement des petits copains de Samuel Eto'o qui sont revenus dans la tanière et qu'il est certain que ses choix ne sont pas ceux du sélectionneur. Ils lui ont été imposés. La réponse de Samuel Eto'o fils n'a pas tardé. L'ancien capitaine Lion Donta du Cameroun a répondu à Hugo Bros après la victoire de ses coéquipiers. On va le dire comme ça, même s'il n'est plus dans la tanière, face au Koweït. On propose de revenir sur cet élément avec Auréole Tchoumi. Excepté lors de la finale de la CAN 2017 où ils se sont rencontrés dans les vestiaires du Cameroun au Gabon, Hugo Bros et Samuel Eto'o fils n'ont pas souvent fait des apparitions où on les voit ensemble. Il n'y a donc pas de proximité connue entre les deux hommes.
Pourtant, chacun a décidé d'appuyer sur la gâchette. Hugo Brousse, le premier. Dès la publication de la liste des 23 joueurs convoqués par Alexandre Bellinga pour le match contre le Koweït, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables, dans une interview accordée au site Plus de Foot, a affirmé, je cite, « Les petits copains de Samuel Eto'o sont de retour en sélection. Ça va redevenir olé olé. » Par la suite, Hugo Brousse a ajouté qu'il peut dire avec certitude que ce n'est pas le coach qui a décidé de les rappeler. Sa sélection a été corrigée. Le technicien belge faisait ensuite allusion au retour dans la tanière des joueurs qui ont été coéquipiers de Samuel Eto'o fils, tels qu'Idriss Carlos Kameni, Alain Niom ou encore Jean Armel, Canabic. Indexé par Hugo Brousse, Samuel Eto'o était resté silencieux jusqu'à ce dimanche où, après la victoire du Cameroun sur le Koweït, il a publié sa réponse à Hugo Brousse sur son compte Instagram où on peut lire « Merci de continuer à porter haut et fièrement les couleurs de notre cher et beau pays. Continuez à faire ce que les gagnants doivent faire. Gagner. Nous sommes avec vous. Bravo les Lions. Heureusement que vous n'avez pas été olé olé. Merci mes petits copains. » Une sortie qui pour certains permet à Samuel Eto'o fils de rappeler qu'il a toujours était proche de la sélection nationale malgré l'annonce de son départ. Et Anissé Margafoué, Hugo Brousse a poussé le bouchon loin, vous pensez? Je crois qu'on a eu à le dire à plusieurs reprises ici que cet entraîneur-là n'avait pas l'étoffe. Lorsque vous constatez et regardez ce qui s'est passé lors du Bruxelles Gate, comment est-ce que Hugo Brousse a traité le Cameroun par rapport à cette histoire que nous connaissons tous. Lorsque vous vous souvenez un temps soit peu de ses déclarations envers Christian Bassogok, et aujourd'hui, lorsqu'il vient une fois de plus à faire une déclaration comme celle, vous comprenez qu'il n'a pas du tout digéré son départ de l'équipe nationale. Moi, je crois que je suis l'un de ceux qui, au moment où Hugo Brousse prenait les rênes de cette équipe nationale, lui avait clairement signifié. Je crois que vous pouvez le demander à tous ceux qui étaient présents au stade de haut niveau FIFA organisé en Bankomo. Je crois que j'avais dit à Hugo Brousse ce jour-là que le fait que vous n'ayez jamais entraîné une équipe nationale, à un moment donné, vous sera préjudiciable. Et avec une certaine solidarité, on sera obligé de vous aider. Mais reconnaissons que vous n'avez jamais entraîné une équipe nationale. Vous ne connaissez pas comment fonctionne une équipe nationale. Vous ne savez pas quel est le langage qu'il faut tenir à certains joueurs nationaux et internationaux. Hugo Brousse avait pris plus de 15 minutes pour me répondre. Plus de 15 minutes pour me faire comprendre qu'il y a un début à tout. Et lorsque vous voyez que ce début-là, justement, c'est au sein de cette équipe nationale-là qu'il est venu apprendre certaines choses. Au point, mais de mémoire d'entraîneur. Mais avec la victoire de la CAN, l'apprentissage a peut-être été bon. La victoire de la CAN, je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu, notamment pour cette victoire-là. Ça, c'était, n'est-ce pas, un problème maintenant national où le ministre des Sports et de l'Éducation physique ainsi que l'ancien président de l'Africafoot, tous ont participé pour que le Cameroun ramène ce trophée-là au bercail. Donc je crois qu'à ce niveau, et de mémoire d'entraîneur, je ne me souviens pas qu'un entraîneur qui est parti d'une équipe nationale soit encore intéressé par cette équipe nationale au point d'envoyer des messages, de se livrer à des invectives. De mémoire d'entraîneur, je n'ai jamais connu ça. Vous partez d'une équipe, vous partez parti, avec toute la dignité que cela comporte, tout en souhaitant bonne chance à celui qui viendra, en sachant que bon, je souhaite seulement que son image ne prenne pas un coup par rapport à ces déclarations-là. En tout cas, aujourd'hui, il est le directeur sportif de Oostende en première division. Chez lui, en Belgique, Clément Zeko, avec cette sortie, Hugo Brousse est-il allé en marge de l'éthique prescrite dans le corps des entraîneurs de football? Je vais d'abord faire une lecture en deuxième, au deuxième degré, hein, parce que quand on lit Hugo Brousse au premier degré, on a l'impression que... je ne sais pas s'il sait à quoi il s'en tenait. Non. Il veut nous faire comprendre que du moment où lui-même il y était, les listes lui étaient dictées. Sa liste était corrigée. Je sais pas. Les listes lui étaient dictées. Ses listes étaient corrigées. Et maintenant, comme il sait que c'est son adjoint qui a pris les rênes, la même correction est faite. C'est ce qu'il faut nous faire dire. Donc, ça veut dire que pendant longtemps, M. Brousse a eu ses copies corrigées. Pourtant, à chaque fois, il a clamé. Il a signé pour dire
que ce sont ses choix. Jusqu'à ce que, par moment, quand c'est allé à volo, qu'il nous dise que non, il a eu quelques influences. Ça, c'est la première lecture. Maintenant, en acceptant d'analyser ce qu'il a eu à dire, non, il ne faut pas que nous, nous laissions salir nos icônes. Il y a des choses, il y a des symboles qu'il ne faut pas toucher. Il y a des symboles qu'il ne faut pas toucher. Samuel Eto'o est parti de cette équipe de la manière la plus digne qui soit. Il n'y est plus. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'il soit Camerounais et qu'il puisse s'intéresser à cette équipe. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de donner une solution, il y est allé à cœur joie. Maintenant, il ne faudrait pas que un sélectionneur aujourd'hui déchu croit que sur la tête d'Eto'o, il pourra laver son affront et amener les gens à croire et à jeter Eto'o aux orties. Nous ne l'accepterons jamais. Je dis bien à grand jamais. Eto'o est un Camerounais. Eto'o est un footballeur. Il est encore en activité. Et nous tous, on est au courant de son activité. Et je voudrais rappeler à la mémoire de tout le monde qu'il y a deux choses qui militent à la sélection d'un joueur. La première chose, c'est l'envie. La deuxième, c'est la compétence. L'envie appartient au joueur, la compétence au sélectionneur. C'est le sélectionneur qui dit, tu es compétent pour venir dans mon projet, parce que quand je te vois faire, j'ai l'impression que tu peux venir. Viens et je vais te montrer comme ci, comme ça, et tu vas venir. L'envie, ça vient du joueur. Vous pouvez avoir une compétence hors norme, mais si vous n'avez pas envie, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, pour corriger les erreurs graves de M. Hugo Bros, le comité de normalisation a bien fait d'aller vers les joueurs, leur dire, les portes sont désormais ouvertes. Celui qui veut venir, qu'il vienne. En donnant cette parole, ceux qui ont envie vont manifester leur envie et maintenant sur leurs compétences, le sélectionneur fera son choix. Je pense que Eto'o, comme tout autre joueur, est encore sélectionnable. Si un temps soit peu, le sélectionneur en place trouve en lui les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Et même, lorsqu'on regarde le travail réalisé par cet enfant pendant toute son activité, je pense que pour donner de la valeur à un autre symbole, on peut lui faire cet honneur. N'oublions pas. Regardons ce qui se passe en France. Regardons ce qui se passe en France. Depuis un moment, Deschamps est à la tête de l'équipe de la sélection de France. Mais nous sommes tous au courant que Zidane est en train d'être préparé pour arriver à cette sélection. Parce que Deschamps passera à la direction technique. Pourquoi nous ne pouvons pas développer des idées de cette nature? Pourquoi nous allons dépendre des on-dit? Et parce que si on n'est pas suffisamment élevé, on peut s'attarder sur les paroles de M. Hugo Bros et croire que nos symboles sont des symboles inutiles. Non, M. Hugo Bros, nos symboles sont les nôtres et nous devons défendre mordicus nos symboles. Justement, on n'a pas beaucoup compris pourquoi Hugo Bros s'attaque à Samuel Eto'o fils. On ne connaît pas de rapprochement entre les deux hommes. L'une des dernières fois où ils se sont rencontrés, c'était dans les vestiaires de l'équipe nationale de football du Cameroun lors de la finale contre l'Égypte, la finale remportée par le Cameroun lors de la CAN en 2017. Pourquoi parler de ces petits copains qui reviennent dans la tanière et... je ne me souviens pas d'être au courant d'un rapprochement entre Samuel Eto'o et Hugo Bros. Seulement pour dire que, et je voudrais une fois de plus reprendre lui-même Hugo Bros lors de ses multiples sorties où il avait déclaré que si à un seul moment, un nom ou alors un choix m'est imposé, je démissionne demain. Reparcourez un peu ses interviews et vous verrez, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il avait, quand il a fait cette déclaration. Si à un seul moment, un choix m'est imposé, je vais démissionner le lendemain. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque Hugo Bros fait cette sortie, et ça me permet, n'est-ce pas, de répondre à votre question parce que les entraîneurs ont quand même un code d'éthique et de déontologie. Et à ce niveau-là, la Fédération royale belge de football ne devrait pas laisser de tels comportements insanctionnés parce que ça devrait avoir des conséquences. Un entraîneur ne parle pas de la performance ou alors des choix de l'autre pendant qu'il est encore en exercice. Ça, c'est
totalement proscrit à la Fédération allemande de football. Vous verrez, n'est-ce pas, votre diplôme d'entraîneur retiré et même le poste de directeur technique. Parce que pour être directeur technique, il faut quand même connaître les préalables de l'entraînement et de ce fait également, même à ce niveau-là. Donc je crois que une fois de plus, Hugo Broos a fait profil bas et vivement qu'on voit ce qu'il fera avec Ostende. Et voilà cette affaire Hugo Broos, Samuel Tuffis, le débat qui est donc clos hein, par l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Clément, c'est que vous le disiez, Samuel Tuffis, combien d'autres sont encore en activité. On a beau parler de l'âge, Bellingham lui a été clair, si un joueur de 40, 45 ans peut lui produire le résultat dont il a besoin, il convoque. Pareil pour un joueur de 15, 16 ou 17 ans, il fait l'affaire. Voyez-vous, même si vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux choses, la motivation et la compétence, la motivation appartient aux joueurs, mais la compétence à l'entraîneur. Vu ces deux paramètres-là, voyez-vous un possible, probable retour de Samuel Tuffis, ne serait-ce que pour la CAN, pour sa grande sortie? Oui, au-delà, je vois, parce que, attendez, tous les jours, tous les dimanches, Samuel joue et tout le monde voit. Il continue à jouer, il continue à courir. Le football est quelque chose de formidable. On joue devant tout le monde. Ce n'est pas, on ne compose pas dans une salle de classe où les portes sont fermées. Ce n'est pas dans un amphithéâtre où si vous n'avez pas qualité, vous n'entrerez pas dans cet amphi. On joue devant tout le monde. Et lorsque vous courez, pour vous replacer, tout le monde voit que vous êtes bien replacé ou bien mal replacé. Ça veut dire quoi? La compétence de Samuel sera jugée par le sélectionneur en place. L'envie viendra de Samuel lui-même. Qui va vous dire, oui, je suis prêt à revenir si on m'appelle. Parce qu'on veut entendre cette phrase de tous. Et le rêve de tout joueur, c'est de jouer dans l'équipe nationale de son pays. Le rêve. Vous croyez que quand Ronaldo rentre jouer au Portugal, c'est parce que il y gagne vraiment quoi? Non, c'est juste que c'est l'équipe nationale de son pays et qu'à ce niveau-là, il doit pouvoir tenir cette équipe pour dire et démontrer au jeu de ses alter ego que lui, au Portugal, c'est de lui qu'il s'agit. La même chose, pourquoi vous voulez que nos symboles se meurent? Nous n'en avions pas suffisamment. On en a eu un. Et si il faut regarder sur ces dernières années, je pense que Samuel Eto'o est l'emblème du Cameroun. Véritablement, on ne peut pas salir l'emblème de cette manière-là. Il ne faut pas vraiment accepter ça. Moi, je n'accepterai pas, du moins avec la parole que j'ai et au moment où je serai autant vivant, je n'accepterai jamais qu'une telle offense soit portée à une icône. Regardez le palmarès de Samuel Eto'o. Regardez la trajectoire de cet enfant qui est parti du Cameroun en deuxième division pour jouer au Real. Regardez le parcours de cet enfant qui a gagné pratiquement tout. Il est vrai qu'on n'a pas la Coupe du Monde, mais qui a gagné pratiquement tout. Et qui continue à nous faire de la fierté partout où il est allé. On a quand même vu qu'il y a un Camerounais qui est venu. On a du respect pour cela. Et si quelqu'un d'autre peut refuser d'accepter ce symbole-là, nous ne l'accepterons pas. Et voilà, nous on va marquer une courte pause juste derrière. On parle du championnat des Lituanes. Il n'a pas de football. 133 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Dimanche, Edding Sport, dans le cadre de la 10e journée du championnat lituan, recevait le leader Futur Football Club de Bandoul. Le champion du Cameroun en titre en difficulté depuis le début de la saison espérait les 3 points de cette 10e journée, mais ça n'a pas été le cas. Edding a été contre au partage des points, un but partout face à Futur Football Club de Bandoul. Jean-Paul Chugnat. Depuis le début de la nouvelle saison, Edding Sport de la Laitière peine véritablement à imprimer ses marques dans le championnat de Ligue 1. Dans ses performances en dents de scie, le champion du Cameroun en titre mord la poussière sur du gazon face au leader Futur de Duko Banjoun à cette 10e journée. Sur une bourde de la défense des Ding Sports, les protégés du coach Magloire Foutila ouvrent le score. But de Eric Toko Toko à la 13e minute. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas marqué, j'ai senti le coup. Et soit que j'ai anticipé pour pouvoir trouver la faille. Mené ainsi 1-0 à l'entame de la partie, Edding va pêcher par pas mal de baladresses offensives, vendangeant d'innombrables occasions nettes de but durant toute la première manche. Tout comme Futur ne parvient pas à exploiter d'autres occasions pour doubler, voire tripler la mise. De retour des vestiaires avec le retard d'un but, Edding Sport change de rythme, bouleverse le jeu
se créant des opportunités sans toutefois pouvoir les concrétiser. Mais sur ce coup franc en toute fin de match, Paul Atanganamendo sur une frappe sèche de 30 mètres égalise à la 81e minute. Les 9 minutes du temps réglementaire et plus le temps additionnel ne changent rien au cours du match. Les deux équipes se séparent un but partout. C'est le premier match nul à domicile pour Edin Sport de la Lekki. Que de bons regrets pour deux équipes qui espéraient remporter les 3 points de la journée. La faute à la finition, on a eu beaucoup d'occasions de but qu'on n'a pas pu mettre au fond. Je pense que sur le plan du jeu, sur le plan des occasions de but, nous méritions de gagner le match cet après-midi. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté cet après-midi. En contre-attaque, on avait des possibilités d'aller vers l'avant, inquiéter la défense adverse qui était à l'abordage. Dommage encore que les 3 coups qu'on pouvait amener à fond n'ont pas abouti. Dommage qu'on a perdu ces 2 points. La seule défaite de Digne à domicile, 0 but contre 2, remonte au 6 mars dernier à la 8e journée face à Bambutos de Bouda. Le champion du Cameroun en titre perd une place au classement, désormais 7e à 14 points, avec un match en retard contre New Star de Douala. La meilleure attaque de Ligue 1, futur de Djiko Banjoun, 19 points, conserve son fauteuil de leader à l'avantage d'un but sur Coton Sport de Garoua, 19 points, 13 buts marqués. Et à la 11e journée, 2 duels en perspective entre concurrents directs au sommet du tableau. Le leader Feuchu croise le fer avec le 3e Fofou de Baham, 18 points. Et Edin Sport ira s'expliquer à Garoua devant le 2e Coton Sport. Et voilà, Edin Sport de la Lekki contre partage de points, un but partout devant Feuchu Football Club 2. Bonjour Nanissé Margafou. Et on ne vous a pas vu depuis le début de la saison sur le banc de touche d'Edin Sport de la Lekki. On a non plus appris l'officialisation d'un divorce quelconque entre le club et vous. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne souhaitiez pas trahir des secrets de vestiaire. Mais maintenant, on peut tout de même savoir quelle est la réalité des choses. Est-ce que vous continuez à être l'entraîneur d'Edin Sport de la Lekki, même si vous n'avez pas joué, même si vous n'avez pas été aux côtés du club depuis le début de la saison? Et puis, autre chose, est-ce que vous reconnaissez cette équipe? Vous reconnaissez en cette équipe, c'est vous qui avez fait ces résultats, vous qui avez fait les différents recrutements, pas forcément les recrutements, mais est-ce que c'est vous qui avez validé les différents recrutements en tant qu'entraîneur des Edin Sport de la Lekki? Auquel cas, pourquoi les résultats ne suivent pas depuis le début de la saison? Une chose est sûre, c'est que au moment où je vous parle, je suis toujours lié à Edin Sport de par mon contrat. Mais depuis le début de la saison, c'est vrai que je n'ai pas fait d'apparition sur le banc de touche parce que, comme je le disais au début de mon propos, il y a eu quelques points d'ombre entre l'administration et moi. Et c'est véritablement systématique et symptomatique dans les différentes équipes où, chaque fois après un sacre, l'année qui suit a toujours été très difficile. Regardez l'Union de Douala après le sacre de 2012. L'année qui suit a été extrêmement difficile. Regardez l'équipe de New Star après sa 3e place obtenue en 2015. Regardez l'équipe de Cosmos du Mbam après sa brillante 2e place. Pour ne pas aller très loin, regardez l'équipe de l'Union des mouvements sportifs de l'Oum après son sacre de champion l'année qui a suivi, pour dire que il faudrait qu'on intègre quand même certains paramètres au niveau de l'administration des équipes, parce que à partir du moment où vous avez un groupe qui vous a donné satisfaction, vous ne pouvez pas vous séparer intégralement de ce groupe, pensant peut-être amener d'autres éléments et au même moment ne pas désintéresser complètement ceux qui ont contribué à vous donner le titre. C'était quoi l'idée? Je ne voudrais pas dire que c'est ça qui a été la pomme de discorde avec Edding, parce que ceux qui ont donné le titre ont eu leur partage. Justement, c'était quoi cette idée de faire venir près d'une vingtaine de recrutements, un peu plus d'une vingtaine de recrutements, on parle, je crois, en principe 23 recrues, juste pour une seule saison, et les joueurs cadres qui ont été débarqués d'autres clubs, on a vu David Eto'o, depuis le début de la saison, on le voit sur aucune feuille de match pratiquement avec Edin Sport de la Lekki. Ils sont nombreux comme ça qui ont signé des contrats avant le début de la saison, mais qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sylvestre, le football camerounais n'est pas encore professionnel. Ou alors, c'est un professionnalisme pratiquement embryonnaire, dans la mesure où
C'est vrai qu'au début de l'émission, nous avons vu les images du Classico avec l'affluence qu'il y a eu au niveau des recettes de stade qui sont pratiquement très maigres, au niveau des frais publicitaires, au niveau même encore des redevances parfois telles que audiovisuelles et autres. Les équipes appartiennent à des individus qui mettent, n'est-ce pas, de leur fonds. Et il faut le reconnaître que ces individus font déjà assez. Et je veux bien comprendre que lorsque un homme d'affaires investit dans un domaine, il voudrait, n'est-ce pas, avoir un retour d'investissement. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez X joueur qui a un nom, vous voudrez peut-être le revendre à un prix Y. Mais seulement, il faudrait que ce soit en accord, en harmonie avec l'entraîneur, parce que c'est l'entraîneur, le technicien, qui peut vous donner la véritable valeur marchande du joueur. Et aujourd'hui, même encore, au niveau du championnat camerounais, je ne vois pas quels sont les joueurs qui pourraient véritablement nous échapper. Je parle sous le contrôle de Clément, parce que non seulement si vous n'avez pas eu à diriger un joueur, vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre collègue qu'il a eu lors des années antérieures et il va vous donner, n'est-ce pas, un feedback intégral de ce joueur. À partir du moment où des managers veulent apprivoiser et s'accaparer des équipes, il y aura toujours ces problèmes qu'il y a eu. Tel manager vient proposer ce joueur, tel manager vient dire que celui-ci peut. Et c'est un peu là où la difficulté est venue. Et je crois que, ayant vu ça, et vous-même vous avez vu toutes les arrivées qui ont été annoncées, il y a eu beaucoup qui n'ont véritablement pas signé. D'autres ne sont pas arrivés et ça a fait que tous les plans qu'on avait, on a laissé partir d'autres qui auraient véritablement pu nous aider alors encore qu'ils savaient déjà comment était la politique de l'équipe et faire venir maintenant d'autres qui devaient s'arrimer à cette politique-là a été, n'est-ce pas, autant de choses. Mais je veux vous dire que il y a eu des choses dans le vestiaire et le vestiaire est sacré. Pourtant, on vous imaginait plutôt serein à l'arrivée de votre mentor, le coach Bonaventure Djonkep, qui a été avec vous au niveau de New Star de Douala. Vous étiez son adjoint à New Star de Douala lorsqu'il s'en est allé. Vous êtes resté entraîneur principal. Et maintenant, avant de donner la parole à Clémence, et que vous dites que vous êtes encore sous contrat avec Ding Sport de la Ligue, est-ce à dire que vous êtes intransférable? Parce qu'on sait également, en préparant cette émission et même avant, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sollicitent vos services. Oui, je suis un entraîneur de football et je suis au service de la jeunesse camerounaise un peu partout où il s'agira d'apporter un plus pour permettre à ces jeunes qui sont sous ma responsabilité, sous ma charge de progresser, je ne manquerai pas. Donc je crois que aujourd'hui je me plais parfaitement parce qu'il faut le dire, je suis d'abord cadre à l'université de Douala où je suis en charge des activités sportives et associatives, et beaucoup plus au niveau de l'atelier football. Donc je crois qu'à ce niveau également, là, j'ai certaines responsabilités, ce qui fait que si je suis sollicité par des équipes dans le civil, je vais m'asseoir avec l'administration et je crois qu'on trouvera un compromis. Et Clément, c'est que voilà un champion au pied d'argile en ce début de saison. Oui, c'est juste que c'est un problème de projet. C'est un problème de projet. Et lorsque le projet n'est pas bien ficelé, il ne peut pas être bien mené. Au petit bonheur, la chance, on peut arriver au sommet. Mais maintenant, comment continuer? Et la continuation est de nature que, telle que, pour qu'elle soit bien faite, il faut que le projet soit mené étape par étape. Et que lorsqu'on est arrivé champion, qu'on ne se surprenne pas soi-même à être champion. Qu'on comprenne que nous avons réalisé une étape et que l'étape d'après, c'est de faire le pas qualitatif qui va nous amener vers l'avant. Edding nous a laissé voir l'année passée que son management était un management de charme. Véritablement un management de charme depuis 2 ans. Parce que 2 ans avant, Anissé était en place. Après, on lui a amené Tonnet Nicolas qui est venu apporter du sien pour huiler la machine et lui donner une fonctionnalité telle que nous avons vu cette équipe devenir championne. Devenue championne, Edding devait comprendre qu'il a réalisé une étape, c'est une victoire d'étape, la course n'est pas terminée. Et en réalisant la victoire d'étape, il faut considérer les éléments qui ont permis que cette victoire d'étape soit réalisée pour savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter en plus
en plus pour faire le pas qualitatif. Et nous voyons la piètre prestation de cette équipe à l'international a fait oublier que c'était un groupe de chambre. Et en plus, la discorde entre le top management de cette équipe et son staff technique a fait en sorte qu'aujourd'hui, Edin est tombé dans la rac, comme on peut le dire. Donc, si le projet n'est pas bien pensé, si les étapes de ce projet ne sont pas bien définies, une fois qu'on est rendu à une étape, on ne se rend pas compte effectivement qu'on est en train de réaliser cette étape. Et puis, au petit bonheur, la chance, ça peut arriver. Donc, vraiment, Edin est passé d'un professionnalisme bien pensé à quelque chose un peu de rabâché. Et il faut dire que Edin va tomber sous l'effet de son propre poids. Mais on souhaite à ce club champion du Cameroun de se relever. On va parler d'un autre match, celui que disputait Bambuto Zobouda et Coton Sport du Garoua. C'était au Centenary Stadium de Limbé dimanche. Bambuto Zobouda qui a été donné un échec par Coton Sport du Garoua. Et Bertin Ebolé, l'entraîneur de Coton Sport du Garoua, qui fait un parcours sans faute jusqu'ici depuis son arrivée. Ça fait 3 journées, 2 victoires et 1 match nul pour Bertin Ebolé. Le match nul, c'était donc dimanche face à Bambuto Tous de Bouddha, 1 but partout. Je vais vous proposer justement d'écouter cette réaction de Bertin Boulet, le coach de Coton Sport de Garoua, se dit plutôt satisfait de ce point qu'il ramène de Limbé face à Bambuto de Bouddha. Je crois qu'il ne faut pas cracher sur ce qu'on vous donne. Nous l'avons mérité. Peut-être on aurait voulu avoir les 3 points de la journée. Mais nous acceptons le verdict parce que c'est le jeu. Et nous allons continuer à travailler pour rester performants et essayer de jouer le premier rôle dans ce championnat. Vous étiez sur une bonne spirale de victoires, 2 victoires consécutives. L'après-midi, on est freiné. Oui, je crois que nous avons aussi détecté là un facteur de voyage qui aussi a apaisé un tout petit peu sur la première partie de la rencontre où on a connu une baisse de régime, mais on a su se relever. Mais nous n'avons pas eu de réussite pour la seconde manche. Néanmoins, nous sommes défendus jusqu'à la dernière minute pour arracher les 3 points, mais ça n'a pas été possible. L'adaptation pour vous a été très facile avec cette formation. Oui, disons que c'est une maison que je connais un tout petit peu. Donc pour moi, mes collaborateurs m'ont bien accueilli, ils m'ont facilité la tâche et je crois que nous essayons de travailler dans cette dynamique de victoire que j'ai trouvée. Et je pense que c'est normal qu'on collabore pour l'avancée des objectifs du club. Bertin Ebolé Ndingue, coach de Coton Sport de Garoua, Charlemagne Bongo est un peu en froid avec les supporters de Bambuto de Bouddha. Il n'a pas manqué d'avoir la dent un peu dure à l'encontre de ses nombreux supporters des Mangwa Boys. Les gens ne laissent pas l'entraîneur travailler en paix. Le jour où tu gagnes, ils sont contents. Le jour où tu perds, je ne sais pas s'ils connaissent la signification du supporter. Moi, je vais juste envoyer un appel à ces supporters, au peuple Bambutos, que s'ils veulent que leur équipe gagne, leur équipe va gagner. S'ils veulent que leur équipe ne gagne pas, leur équipe ne gagnera pas. Ce n'est pas une histoire de Charlemagne. Charlemagne n'a pas une baguette magique. Je suis convaincu qu'il y a environ 10 ans, Bambutos n'a plus produit le jeu qu'il est en train de produire maintenant. Alors, on en parle partout et c'est un projet qui a été mis sur pied par tout un staff. Maintenant, si les gens ne sont pas patients, il faut à tout moment être en train de vilipender l'entraîneur, tirer après lui, après chaque défaite, être en train d'appeler les entraîneurs à gauche et à droite pour venir me remplacer. Moi, je dis, moi, j'ai aucun problème. À l'heure où nous sommes là, je pense que ce que cette équipe est en train de produire, tout le Cameroun reconnaît qu'il y a la main d'un orfèvre derrière. Et s'il faille que je parte maintenant, moi ça ne me posera aucun problème. Mais à tout cela, je vais leur dire, c'est le PCA qui m'a recruté. Jusqu'à présent, j'ai encore la confiance du PCA et c'est à lui seul que je rends compte. Donc ceux-là, s'ils veulent supporter, qu'ils supportent de la bonne manière, qu'ils ne supportent pas négativement, qu'ils ne viennent pas détruire leur propre équipe. Charlemagne Bongo, le coach de Bambuto Zobouda. Clément, se sentait-il obligé de répondre aux supporters de Bambuto? Par moment, qui sont quand, un peu peut-être oui, dans par moment, aussi, hein? Par moment, quand on en a ras le bol, il ne faut pas même s'exprimer. Pour au moins vider sa marmite, parce que lorsqu'elle boue et lorsque vous continuez à la fermer, elle peut exploser. Quand un entraîneur vous dit ça, apparemment ça fait rire, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il y a une confusion de rôle.
Il y a une confusion de rôle et ils rappellent les supporters. Ils demandent s'ils savent ce que ça veut dire supporter. Aujourd'hui, on gagne, on est content. Demain, on perd. La notion de fair play va aussi apparaître. Il faut savoir perdre dignement. Mais en regardant les points sur lesquels on a été faible avant de perdre et corriger ces points-là. Mais s'il faut simplement la victoire à tout prix, sans accompagner le processus par l'effort que chacun devrait faire à l'endroit où il se trouve, il y a ce problème-là. Donc lorsqu'un entraîneur parle comme ça, ça peut faire rire, ça peut faire jaser, mais c'est extrêmement grave. Il revient à l'équipe de Bambutos de véritablement bien s'organiser autour de cette équipe-là et savoir exactement ce qu'il faut. Si vous avez fait confiance à un entraîneur au départ, ça veut dire que vous avez vu en cet entraîneur toutes les qualités requises pour pouvoir tenir la maison qui est la vôtre. Maintenant, la confiance que vous lui avez donnée au départ, vous devez continuer à soutenir cette confiance avec votre participation, mais pas de le jeter aux orties parce qu'une fois on a perdu. Bambutos, c'est vrai, c'est pas très reluisant. Mais ce n'est non plus. Et Bambutos n'a même pas perdu, hein, Manuel. Oui, ce n'est non plus. Et puis quand on voit les mouvements de ce début de championnat, avec tous les soubresauts, nous avons expliqué ici en plateau qu'il faut faire attention. Ce n'est qu'à partir de la sixième journée que les choses vont commencer à se dessiner. Parce que nous avons vu des équipes commencer le championnat avec deux semaines. Quand vous faites deux semaines de préparation, ça veut dire que vous êtes à la préparation foncière. Et je me suis même étonné que les joueurs ne soient pas blessés à cette période-là. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'une période foncière et vous mettre à faire la compétition. Or, il se trouve que la plupart d'équipes, au moment où on bâtit l'équipe, c'est le même moment où on est en train de lui donner une fonctionnalité. C'est le même moment où on est en train de faire la compétition. Ça veut dire qu'on a abrégé un certain nombre de choses. Simplement parce que les lenteurs dans la programmation, les hésitations, les reports font en sorte qu'aujourd'hui on peut tomber comme ceci. Les entraîneurs vont perdre leur valeur simplement parce que les gens ne vont pas comprendre que c'est avec la sorcellerie qu'ils vont pouvoir gérer les situations comme celle que nous, dans laquelle la nous... La sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie. Parce que vous ne pouvez pas utiliser, faire avec empiriquement ce qui doit se faire scientifiquement. Et ça donne le résultat. Donc ça veut dire que l'entraîneur au Cameroun aujourd'hui, au même moment où il cherche le groupe, au même moment où il bâtit le groupe, au même moment où il donne une fonctionnalité, au même moment où il fait la compétition. Je prends l'exemple de Dragon. On nous a dit que Dragon a commencé le championnat avec deux semaines de préparation. Mais ça, c'est là. Si ce n'est pas être sorcier, on est en voie de le devenir. Mais Anissé Bargafoué, lorsqu'on a la dent, on a entraîneur, on a la dent un peu dure, comme ça à l'encontre des supporters, ceux-là qui sont censés vous accompagner, on sait qu'ils sont aussi divergents. Hein. Les supporters, un coup vous gagnez, sont avec vous. Bambutos de Bouda n'a pas la particularité de cette réalité des choses. Vous perdez, ils vous tournent carrément le dos et ils sont très durs même parfois avec vous. Oui, je crois que à un moment donné, c'est une relation qui pourrait à tout moment dégénérer. Parce que lorsque vous avez une équipe avec des millions de supporters, comme c'est le cas du côté de Bambutos, il faudrait également qu'il y ait une assise, qui est, n'est-ce pas, un porte-parole de tous ces supporters. Même s'il y a un porte-parole, il y aura toujours, n'est-ce pas, des voix discordantes qui iront aux antipodes de ce que voudrait, n'est-ce pas, penser la majorité. Moi, je crois que lorsque vous prenez une équipe également populaire, telle que l'Union de Douala, les supporters se réunissent souvent, hein, du côté du siège, et c'est également l'occasion de s'asseoir avec l'équipe. Parce que lorsque vous regardez une équipe comme Bambutos qui joue pratiquement comme contre Coton, Coton c'est l'une des meilleures équipes de notre championnat, il est important à un moment donné que si l'équipe est dominée à quelque niveau que ce soit, et en écoutant le collègue Charlemagne, il a bien dit qu'on m'impose des joueurs, et parfois c'est des joueurs qui n'ont pas encore le niveau. Vous avez vu, ils ont commencé à marcher sur le terrain. Donc ça veut dire que lorsque les supporters sentent que l'équipe est en difficulté, ce sont ces supporters là qui doivent, n'est-ce pas, tout faire. C'est pas pour rien qu'on les appelle 12e homme.
12e homme. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, voilà autant de structures dont devraient se doter nos équipes. Et je crois que connaissant le PCA de Bamboutos et Mathias Tanguay, véritablement des gens qui travaillent chaque jour pour cette équipe, ils ne peuvent pas accepter que des supporters s'attaquent à la personne du collègue Charlemagne. Le match de Bafan opposait Unisport du Honkam et UMS de l'Aume, les deux équipes qui se connaissent bien puisqu'ils évoluent ensemble au championnat de première division Elite One depuis 5 saisons maintenant. 0 but partout dans cette rencontre de dimanche au stade municipal, le gars du Gaston de Guenon de Bafan. Et on voit sur la réaction de Dieudonné qui est le coach de UMS de l'Aume au micro de Andy Gagnon. Autant d'avoir pris ce point, mais on aurait mérité mieux si les choses avaient été comme elles se devaient dans les règles de l'art. Bon, c'est le football, vous savez, c'est les êtres humains qui le pratiquent et l'erreur est toujours à côté, dans la perfection ne faisant pas partie de ce monde. Je crois que tout ce qui nous reste à faire, c'est de continuer à travailler, à chercher pour mettre les stockades dans les buts. Et j'ose croire que ça ne va pas tarder. Théophile Funko, le coach adjoint de l'Unisport du Honkam, n'est pas véritablement satisfait. Hein, après ce partage des points à domicile face à cette équipe de UMS de l'Aume, pour lui, ces joueurs ont manqué plusieurs occasions qui peuvent être fatales pour la suite de la compétition. Je pense pas que nous avons juste après-midi. Je pense pas que nous avons... On n'a pas fait notre jeu habituel. Je pense que, honnêtement, l'UMS était au-dessus cet après-midi. Je pense que l'UMS méritait un peu mieux. Bon, on a réussi à s'en sortir avec un point. Je pense qu'on ne doit pas se cacher là-dessus. Pour les autres résultats de cette 10e journée du championnat Elite One, le récap c'est dans le tableau suivant. On voit que l'Union sportive de Douala s'est imposée 3 buts à 1 sur Yaoundé Football Club. On a parlé de ce match entre les Astres de Douala et Stade Renard de Mélan. Stade Renard de Mélan s'est imposé 1 but à 0 sur les Brésiliens de Bépanda. 0 but partout entre APGS de Fou et la Colombe du Sud. Et ce lundi, c'était le match entre Union Sport Academy de Bamenda et Foufou de Baham pour boucler cette 10e journée du championnat Elite One. Victoire de 1 but à 0 sur Foufou de Baham qui manque là l'occasion de reprendre la tête du classement. Ce classement qui est dominé par Futur Football Club de Bandung avec 19 points après son match nul concédé dimanche. Futur Football Club de Bandung face à Edding Sport de Aleké. Coton Sport de Garoua aurait également pu passé en tête, mais Coton a été également contraint, ou alors a contraint Bamboutos de Bouda au partage des points, un but partout. Donc, Futur et Coton Sport de Garoua sont à 19 points partout. Première victoire de la saison pour l'Aigle Royal de la Ménois. El Pacha s'est imposé 2 buts à 1 sur le Dragon de Yaoundé. Et du coup, puisqu'on est dans un championnat à 3 points, ça permet à l'Aigle Royal de la Ménois de céder sa dernière place au classement au Dragon de Yaoundé. L'Aigle reste cependant dans la zone de relégation avec 7 points contre 6 pour le Dragon de Yaoundé. Et on en parlait à Nissim Bargafo et il y a eu beaucoup de critiques contre cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois. Il y a eu le départ que c'était jugé précoce de Fania après 7 journées de championnat, puisque Birom et Creo arrivent à partir de la 8e journée. Match nul, défaite, ensuite première victoire pour Birom et Creo. Oui, il faudrait déjà remonter au niveau de la genèse des problèmes de cette équipe de l'Aigle la Ménois. On se souvient à un moment donné qu'il y a également eu deux fractions qui se sont discuter la présidente de cette équipe et finalement c'est la fraction du président Samuel Ndokmo qui a eu le dessus sur toutes les autres. À ce niveau-là, il fallait déjà savoir que la saison allait être très difficile. Il y a eu l'arrivée de Fania qui a commencé le travail et les résultats n'ont pas suivi. Les résultats n'ont pas suivi. Pourquoi l'Aigle ne gagnait pas, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur? Parce que lorsque vous ne gagnez pas, et si l'équipe joue quand même bien, il y a lieu de garder espoir et de dire que les lendemains seront meilleurs. Mais l'équipe ne jouait pas bien, l'équipe ne gagnait pas, et l'équipe n'avait même pas inscrit le moindre but. Il a fallu donc justement attendre l'arrivée de Mikro Birwe, qui est arrivé
et certainement devait reprendre beaucoup de choses au sein de cette équipe. Véritablement, si l'Aigle a retrouvé le chemin de la victoire, souhaitons que ça dure et que vivement cet Aigle la plane au-dessus comme l'Aigle que nous avons toujours connu. Et dans un championnat comme celui-ci, une victoire après des moments difficiles, ça peut souvent être le déclic pour la suite. Bien sûr, lorsque on regarde cette victoire de l'Aigle, elle est venue de derrière. L'Aigle a été menée, l'Aigle est revenu au score pour enfin damer le pion à la dernière minute au Dragon. On peut se souvenir que l'Aigle, en début de saison, quand il s'est préparé, l'Aigle a gagné le tournoi des équipes de l'Ouest, n'oublions pas. Et ça laissait voir que l'Aigle était sur le bon chemin. Comment se fait-il que tout au début du championnat, l'Aigle bascule complètement pour se retrouver dans le sale drap tel que ça a été le cas et que l'on jette aux orties Fania Fania, qui a produit ce type de résultat? Ça veut dire, et puis Anissa faisait bien de le relever là, il n'y a que dans la continuation de ce travail-là, un ressort s'est cassé quelque part. Un ressort s'est cassé quelque part et on n'a pas pris le temps de bien souder ce ressort. Aujourd'hui, les joueurs qui ne marquaient pas hier marquent aujourd'hui. Les joueurs qui ne gagnaient pas hier gagnent aujourd'hui. Pourtant, au départ, ils ont gagné un tournoi. Est-ce que c'est aussi question du discours du coach? Au-delà du discours, il y a que... Parce qu'il y a même une psychose qui s'est installée dans cette Aigle. Moi, j'ai compris à un moment donné que l'entraîneur avait pris l'argent à un marabout et le marabout a dit que tant que son argent ne va pas revenir. Quand on développe de telles idées autour d'une équipe, une psychose s'installe. Un ballon raté, on croira que ça vient de X ou de Y. Et donc, Birou est venu exorciser. Je suppose que Birou a payé la note du sorcier. Et puis, maintenant, c'est pour dire que nos supporters, les supporters ne jouent pas le rôle qui est le leur. Honnêtement, la gangrène dans les équipes aujourd'hui se trouve être les supporters qui ne comprennent pas que l'équipe appartient aux supporters. Toute équipe appartient à ses supporters. Maintenant, il faut que les supporters s'organisent autour de l'équipe pour lui donner de l'allant, pour orienter, mais pas influencer, mais pour orienter le travail et même les choix qui pourront être faits en début de saison et même dans la perspective de l'équipe. C'est les supporters. Mais maintenant, on n'est pas supporter simplement parce qu'on a acheté un maillot rouge et noir, jaune et noir, parce qu'on est dans un... Non, on est un supporter parce qu'on s'est acquitté d'un certain nombre de devoirs. Et il faut pouvoir donner les moyens d'existence à une équipe. Combien sont-ils les supporters qui, au-delà du maillot, ont la moindre carte de supporters? Ils ne sont pas très nombreux. Combien sont-ils les supporters qui connaissent les problèmes de l'équipe au quotidien? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont très nombreux, ceux-là qui, le jour du match, revêtent leur... de maillot et viennent faire leur pari. Et lorsque le pari n'est pas marché comme ils ont souhaité, l'équipe devient un objectif à abattre. Non. Quand un supporter a un comportement comme ça vis-à-vis de son équipe, ce n'est plus un supporter du tout, c'est une gangrène. Les supporters d'aujourd'hui doivent cesser d'être la gangrène. Ils doivent supporter. Supporter, ça veut dire se placer en dessous pour porter le poids que constitue l'équipe. Et non se mettre au-dessus ou à côté pour pousser l'équipe à la dérive. Vers le bas. Oui, d'accord. Non, véritablement, il faut que les supporters comprennent que c'est ça leur rôle. Et que l'équipe appartient aux supporters. On va découvrir à présent les combinaisons de la 11e journée de ce championnat Elite One. Vous allez le voir, messieurs, de très belles affiches en perspective lors de cette 10e journée. D'abord, Coton et Ding Sport de la Ligue et Matchok. Faut vous foutre aussi, par exemple, ou plus bas. Union Sportive Douala contre Bamboutos de Gouda. Il y a également le duel entre les Astres de Douala et New Star de Douala. Il y a aussi le match entre l'Aigle de la Minoa et l'Unisport du Haut-Kamé. De très belles affiches lors de cette 11e journée du championnat Elite One. On en parlera certainement dimanche, lundi prochain, ici même en plateau. Maintenant, nous allons marquer une nouvelle pause, une nouvelle courte pause juste derrière. On parle également des matchs de la 6e journée du championnat Elite One qui sont disputés le week-end. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Voilà, cette sixième journée du championnat, elle est tout précisément. On va rapidement voir ce qui s'est passé dimanche en Antune au stade militaire de Yaoundé dans ce classico entre le Canon sportif de Yaoundé et le Tonnerre Carrara Club de Yaoundé. Victoire de Mkok Mungonda, 2-1 sur le Tonnerre. Résumé de la rencontre, Joël Essengue, Aïe Cyril. Affluence record pour ce match des aristocrates entre Canon et Tonnerre de Yaoundé. Jamais depuis le début de la saison, le stade militaire n'a autant vibré de surcroît pour un match de l'élite tour. Même le célèbre Ngando Piquet, parti de Douala, est venu mettre le show à Yaoundé. Sur le terrain, Tonnerre de Yaoundé annonce très vite les couleurs en multipliant les assauts dans le camp du Pakoum. Mais à chaque fois, ses attaquants pêchent devant les buts. Il faut attendre la 38e minute pour que les Kalara Boys trouvent enfin la faille. Sur un corner de la droite vers la gauche, Thierry Edimbi, curieusement libre de tout marquage, ouvre son pied droit. Eric Ngana, le gardien de Canon, est battu. 1-0 pour TKC. Canon essaye de revenir. La défense du TKC s'interpose. Mais à la 45e minute, alors que le 4e arbitre a signalé 2 minutes de temps additionnel, Canon bénéficie d'un coup franc de 35 mètres. Kone Ben Isaya, d'un coup de pied gauche magistral, éblouit le stade militaire de Yaoundé. Un but partout, c'est le score à la pause. Le Pakoum affirme avoir trouvé des failles dans le dispositif du TKC. Sur le plan tactique, hein, nous avons compris l'offensive de Tonnerre est basée sur son avant-centre. Et nous l'avons compris depuis que nous le supervisons. Et je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer aujourd'hui. C'est ce qui est bien pour les enfants. À la reprise, le Pakoum montre son envie de tonner encore plus fort. 57e minute, Emmanuel Junior Koundé, le fils de l'autre, reprend du pied droit un centre pleine surface de réparation. Canon mène 2-1, tandis que Tonnerre accuse le coup de l'accumulation des matchs. On ne peut pas programmer un classico dimanche et on me fait jouer jeudi, un match difficile contre National, dont les enfants étaient malgré le turnover. On a ajouté 3 joueurs, mais ils étaient lessivés quand même. C'était lessivé, ça se voyait sur l'ensemble du match. Mais on n'a pas été, on n'a pas été médiocre. Hein. D'ailleurs, on a servi au public un match intéressant à mon avis. Le match se poursuit avec des occasions de part et d'autre. À la dernière seconde de jeu, petit cafouillage devant les buts de Canon. Mais Tonnerre n'en bénéficie pas. L'arbitre siffle la fin et Canon remporte une précieuse victoire sur son frère ennemi, Tonnerre Carrara Club de Yaoundé. En Elite Tour, initiative de la Ligue professionnelle du Cameroun, match en Nortune, un classico, Canon contre Tonnerre Carrara Club de Yaoundé et le public répond présent. À la clé, le Pakoum s'impose 2-1, bombarde, comme aime si bien souvent le dire Jules Bertrand, qui est l'un des dirigeants de ce club d'Elite Tour au Cameroun. Oui, tout à fait, ça devrait, n'est-ce pas, faire président plaisir au président Jules Bertrand Nyege, ainsi qu'au directeur général Ebodé. Ce sont les confrontations entre le Canon et le Tonnerre qui nous ont poussé à ce métier que nous exerçons aujourd'hui. Je me souviens à la fin des années 80, début des années 90, et si la Ligue a pris l'initiative de faire jouer ce match en nocturne, et vous voyez l'affluence qu'il y a eu au stade. Vivement que ces deux équipes-là retrouvent l'élite pour le bonheur, n'est-ce pas, du football camerounais.
Une deuxième division très riche au Cameroun, Clément Zeko avec ses pensionnaires, dont la plupart, qui pour la plupart sont d'anciens pensionnaires de la première division, hein, le Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé ou encore Racing, et bien d'autres clubs. Mais on reste sur cette affiche Canon, Tonnerre, victoire du Canon. À l'exception de toi, Miki, de Mbamboulette, et de National et peut-être de Université. Université, on a pratiquement en Ligue 2 l'essentiel hein, des équipes autrefois de l'élite. Donc, et dont la plupart ont gagné au moins une fois un titre au Cameroun. Voilà, ça fait en sorte que les confrontations ont beaucoup d'enjeux sur le papier. Maintenant, il faudra qu'on traduise cet enjeu sur le papier dans le terrain pour donner de l'allant. Et puis, nous sommes contents de voir et d'écouter dire que pour Canon Tonnerre, ça a été une confrontation qui a respecté les enjeux et qui a donné à voir à tous ceux qui sont déplacés que c'était une belle rencontre. Nous osons croire que ça pourra continuer comme ça et nous pouvons le mettre à l'actif des infrastructures qui progressivement se mettent en place. Et je pense que lorsque ces infrastructures seront définitivement mises en place, nous aurons un championnat qui sera relevé d'un cran. Et vivement que ces équipes mythiques, avec une assise populaire, reviennent à l'élite pour que la popularité soit plutôt à l'élite. Le Canon de Yaoundé qui prépare donc sa remontée en Elite One, mais avant, des réactions, les uns et les autres veulent désormais accompagner cette équipe, la hache de guerre et l'enterrer. On n'entend pas depuis le début de la saison parler de bruit de botte au niveau des dirigeants du Canon Sportif de Yaoundé. Je vais d'ailleurs vous proposer cette interview qu'a accordé Jean-Marie Akono Ndengue, membre du conseil des sages du Canon de Yaoundé et ancien directeur de ce club, interview accordée à Aïe Cyril. Les matchs Canon Tonnerre sont très compliqués parce que, quelle que soit la forme de l'un et de l'autre, il ne faut jamais dire qu'on a gagné ce match d'avance. Et c'est la première fois que le Canon était mené. Et nous avons soutenu le Cap et je rentre très 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 content. Ce match était aussi le match de retrouvailles parce qu'on a retrouvé les anciens comme le Linus Pascal Fouda, Roger Mila, Céline Eco et bien d'autres anciens joueurs qui sont venus là aujourd'hui. Nous, on est venus encourager nos enfants pour que ça vive. Je suis sûr que depuis le début du championnat en Ligue 1, on n'a jamais eu une telle affluence comme ce match. Donc, je crois qu'on l'aurait mis au stade omnisport de Yaoundé, que l'affluence aurait été encore beaucoup, beaucoup plus massive. C'est un Canon, on va dire, plus serein. On constate que lorsqu'il n'y a pas de querelle, l'équipe se porte mieux. Depuis le début de ce championnat, on entend de moins en moins de bruit dans le Canon et l'équipe est en train de gagner. Moi, je suis membre du conseil des sages, comme vous me voyez là. On nous a taxés de tous les noms d'oiseaux. On dresse les gens d'insulter les autres. D'autres vont créer des sociétés qui dérangent le Canon. Ce n'était pas l'avantage du Canon. La descente en Ligue 2 a fait prendre conscience à tout le monde de comprendre que l'air est grave. Où on s'amuse, où le Canon disparaît, où il va renaître de ses cendres. Je crois que tout le monde regarde dans la même direction, mais il faut reconnaître que le casting qui a été fait par le conseil des sages et le ministre Etundongwa, il faut le dire, pourquoi ne pas le dire, ça fait qu'on a les résultats d'aujourd'hui, il n'y a pas de querelle. Tout le monde essaie de regarder dans la même direction. Vous avez vu les anciens dirigeants, Madame Céline Eco, Abbé Solomon Fon, ces gens sont revenus aujourd'hui soutenir le Canon. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Appelons tout le monde à l'unisson pour que le Canon remonte. Il faut que le Canon redevienne fort pour tirer les autres vers le haut. Je vous assure que si Canon regagne l'élite, avec la force qu'on voit là, tout le monde va se réveiller. Ça, je vous le dis. Alors, sur le plan personnel, vous dites que vous êtes en vert et rouge. Ce sont les couleurs traditionnelles du Canon. Vous dites que ce maillot vous a été légué par le feu Théophile Abega. C'est le maillot de Théophile Abega que je porte là. Le 14. Il me l'a donné lorsqu'il m'a nommé directeur général du Canon. Et il m'a dit, voici le Canon que je te remets. Et je le mets rarement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis aujourd'hui. Bon, disons que ça m'a porté chance aujourd'hui et le Canon a gagné. On espère bientôt revoir le Canon en Elite One. Le Canon va remonter, c'est sa mission. C'est de revenir là où il n'aurait jamais dû quitter. Le Canon, sa place n'est pas en deuxième division. Et quand vous avez vu le match tout à l'heure avec le Tonnerre, ça ne ressemble pas à un match de Ligue 2. C'est un match de haute facture. Je vous mets quiconque au défi de voir si en Ligue 1, on a déjà eu un match de cette facture. Et un public comme ça, un Canon Tonnerre. Donc, je dis franchement, et les autorités, permettez que le Canon joue dans les stades bien, pas au-delà.
pour que Canon joue ici. Nous préparons une CAN de l'année prochaine. Les gens viennent voir tester ce football camerounais. Si on voit le Canon jouer comme ça, l'écho va partir et ce serait mieux pour le Cameroun. Okay, merci Patrick. C'est moi qui vous remercie. Et oui, Jean-Marie Akonodengea, le sang du Canon Sportif Yaoundé circule dans ses veines, comme pour beaucoup d'ailleurs. Et on ne va pas cacher que même Anissé Bagafou a grandi dans le moule du Canon Sportif de Yaoundé. Oui, tout à fait. Pour avoir joué dans les sections inférieures du Canon, en minime et cadet, heureusement, au moment où je devais passer junior en 92, c'est là où j'étais appelé à aller en Allemagne pour aller apprendre ce que je transmets à mes plus petits frères aujourd'hui. Mais je crois que les dirigeants du Canon ne l'ont jamais oublié, que ce soit Jean-Marie Akonundengue, que ce soit le président Jules Bertrand Enyégué ou même le DG Ebodé, tous se souviennent encore de tout cela. Et on va découvrir les autres résultats de cette sixième journée du championnat Ligue 2 après cette victoire du Canon 2 buts à 1 sur le Tonnerre de Yaoundé. La Panthère Sportive d'Yaoundé a également joué son match à Yaoundé ce week-end face à la Dynamo Football Club de Douala. Un match qu'une autre faction de cette équipe de la Panthère attendait plutôt à bas-fond. Mais la Ligue a joué véritablement d'un tour de passe-passe pour permettre à cette équipe de disputer enfin son match de cette sixième journée. Le Canon s'impose, vous le voyez sur le tableau. 4-1, je veux dire Panthère s'impose 4-1 sur la Dynamo Football Club de Douala. Léon Blessé de Fotoni, ça commence à venir également hein, pour le club de Fotoni qui a battu le Racine Bafoussam 1-0. Racine qui n'est pas du tout en forme depuis sa replonge en élite tout. Canon 2, Tonnerre 1, on en a déjà parlé. Puis cette victoire aussi de Cosmos du BAM, 1-0 sur AS et Tom Meki. PWD de Bamenda était présent au stade alors que l'Université de Gaoundé n'a pas fait de déplacement. C'est la deuxième absence de l'Université de Gaoundé. En principe, on attend de savoir ce que décidera la Ligue professionnelle du Cameroun dans les prochains jours parce qu'en principe, c'est un forfait général. C'est un forfait qui donne lieu à un forfait général avec une rétrogradation de 3 divisions inférieures. Pour l'Université de Ngaoundéré, les coffres dedans, pourtant qui une équipe aussi qui était quand même un bras droit parmi les équipes du septentrion à l'Université de Ngaoundéré. Oui, les équipes tirent le diable par la queue et à force de tirer le diable par la queue, on finit par se laisser mordre. Il se trouve que cette équipe doit souffrir dans sa chair par rapport à les multiples déplacements. Les déplacements, ce n'est pas aussi facile que ça. Et puis la crise financière et le manque de financement sont de nature à justifier. Maintenant que officiellement on n'a pas encore dit les raisons pour lesquelles cette équipe ne s'est pas déplacée, nous osons croire qu'on pourra trouver autre chose qui ne soit pas qui ne mène pas à la constatation du forfait général. Mais reconnaissons que les équipes aujourd'hui traversent le diable par la queue. Au tableau au classement, le Canon de Yaoundé, après sa victoire, est leader avec 16 points et devance son poursuivant qui est PWD de Bamenda de 3 points. PWD a 13 points contre 11 pour Renaissance de Ngomo qui est 3e. Avion du Cam aussi peut espérer, pourquoi pas, une place en élite où on avait ses 9 points. Avion est 4e et 5e AS Matelo de Douala avec 8 points. Dans le bas du tableau, le Racing de Bafoussam qui n'est pas très loin de la zone de relégation avec ses 4 points. National, un seul point. L'Université, 1 point. Et la Dynamo de Douala, 1 point. Le bon Badjob, décidément, la remontée en première division, ce n'est pas pour demain. Hein. On va prendre les combinaisons de la 7e journée du championnat. Et les tout national de Bambu sera face à l'Université de Ngaoundéré en espérant que l'Université fasse au déplacement cette fois. Avion du Cam joue contre Panthère, Tonnerre contre PWD de Bamenda. Dynamo, Canon, belle affiche aussi En son temps, ça donnait lieu de pas de classico, mais de véritables derby, les matchs entre le Canon de Yaoundé et la Dynamo Football Club de Douala. On parle à présent du football jeune, championnat inexistant depuis des années au Cameroun. Les centres de formation et autres clubs de football jeune se battent tant bien que mal et prennent des initiatives propres. C'est le cas avec ce tournoi qui rassemble plusieurs centres de formation de la ville de Douala. Du côté du petit terrain de Bonamoussadi, les enfants des catégories allant des minimes jusqu'aux cadets qui prennent donc part à ce tournoi de football de leur catégorie. À défaut d'avoir, on va dire, le pain, on peut se contenter des galettes parfois, hein, pour être aussi rassasié pour ces jeunes footballeurs.
et nous allons suivre quelques-unes de leurs réactions. Ils sont plutôt satisfaits de pouvoir jouer au ballon malgré l'absence d'un championnat de leur catégorie. Les conditions se passent bien malgré qu'on a commencé par un mauvais échec lors du match d'ouverture, mais on a su se rattraper après dans les matchs qui suivent à force de travailler. Et on espère qu'on va être qualifié pour le quart de finale et arriver une fois en finale si possible par la Coupe de Dieu. La compétition est très belle parce que si on retrouve tous nos amis et chaque samedi, ça permet en sorte qu'on se divertisse et on apprenne à évoluer dans le monde professionnel. On va profiter d'un espace laissé pour ça, libre par la Fédération de Dieu. Et comme notre souci, c'est de faire jouer les enfants et de les faire progresser. Donc on constate que le football à la base était un peu délaissé. Et entre les structures de formation, nous avons trouvé un moyen d'organiser ensemble un championnat qui se passe d'ailleurs bien comme vous le constatez. Il a démarré il y a 5 journées, il y a 6 journées, nous sommes à la 7e journée. Et les équipes, les enfants s'amusent bien pour la catégorie là où vous voyez là, le terrain de Bromsby, c'est la catégorie de 13 ans. Au niveau de la mise en place, nous sommes surpris de la qualité de travail que font les encadreurs que je profite pour leur remercier. Et au niveau de la catégorie, nous sommes extrêmement stricts au niveau de la commission, parce que nous pensons que c'est ici que nous avons beaucoup insisté pour éviter d'avoir des problèmes au sommet. Anissé Margafoué, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur en Allemagne. Ce n'est pas surprenant que l'Allemagne soit un nouveau champion du monde depuis 2014 parce que là-bas, on met un point d'honneur sur la formation des jeunes, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Oui, espérons que avec une fédération bien établie et avec des hommes à la tête de cette fédération, on pourra, n'est-ce pas, véritablement mettre sur pied un véritable championnat jeune, parce que lorsque vous avez des jeunes qui jouent au football, c'est la relève du football de demain, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne prend pas suffisamment conscience de ce problème-là au niveau du football des jeunes. Et peut-être les premiers résultats avec l'ANAFOOT, Clément Zeko. C'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter, parce qu'effectivement, il faut commencer quelque part. L'ANAFOOT est en train de remettre les bases. Nous faisons croire que l'ANAFOOT va constituer va continuer ce que l'école de foot de Brasserie, les autres Cadiz Sport, pour ne citer que les deux là, ont commencé, et nous faisons croire que d'ici à là, le processus en allant vers l'avant, on va balayer un large spectre pour pouvoir détecter le plus grand nombre de jeunes possible afin de donner la formation qui soit adéquate. Alors messieurs, on va vous dire merci d'être venu en plateau ce soir. Cette édition de 100% foot s'achève. Merci également à toutes les équipes techniques qui se sont mobilisées autour du réalisateur Emotion Go pour m'accompagner ce soir. Merci à vos chers téléspectateurs. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.